Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 18 septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un très joli week-end. Nous continuons avec l'oracle du sixième sens et nous terminerons avec la petite carte d'Oponopono. Mais avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie, Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Alors aujourd'hui, j'ai pigé la séparation. C'est une carte qui n'est pas positive, n'est-ce pas ? La séparation, un éloignement, un abandon, une solitude, une absence, ça parlera à certains d'entre vous comme ça ne parlera pas à d'autres. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, n'est-ce pas ? Vous seul connaissez la problématique que vous passez ou pas. Voilà. Cette carte, elle symbolise la déception. Elle symbolise vraiment une grande tristesse et peut-être la séparation qui va causer un grand bouleversement et une grande douleur. Alors, elle peut faire référence à un éloignement temporaire ou définitif, n'est-ce pas ? Pour guérir votre petit cœur, vous aurez besoin de toute votre force. L'amour que vous avez donné à une personne doit maintenant se tourner vers vous. Alors si vous êtes en couple, on vous invite à prendre du recul, on vous invite à un éloignement parce que vous êtes perdu ou perdue. Complètement perdu, vous ne savez plus, vous êtes dans une impasse. Pour mieux réfléchir, il faudrait peut-être vous éloigner. Ou alors, si vous êtes vraiment dans cette thématique où votre couple ne va plus, cette carte, elle vient vous dire ce qui serait mieux pour vous. Maintenant, encore une fois, vous avez le libre arbitre. Alors ici, ça peut être dans votre couple, mais maintenant, ça peut être aussi avec votre compagne ou votre compagnon que vous ne vivez pas ensemble. Là aussi, il y a des décisions à prendre parce que vous y avez mis tout votre amour dans cette relation et malheureusement, peut-être que cette relation arrive à son terme, que vous ne vous y trouvez plus dans cette relation, vous ne vibrez plus ensemble et que tout ce que vous aviez à apprendre avec cette personne, vous l'avez appris et que ça se termine maintenant. Si vous êtes avec une personne toxique, il faut vraiment que vous preniez la décision de vous séparer parce que cette relation ne vous mène nulle part. Vous savez, cette carte, elle doit agir comme un catalyseur puissant. Elle vous encourage à aller de l'avant, prendre le taureau par les cornes, c'est pas toujours évident de prendre des décisions. Et parfois, les expériences douloureuses de la vie, sont aussi précieuses que les bonnes expériences. Parce que évidemment, c'est un échec, mais d'un autre côté, ce n'est pas un échec parce que vous avez appris de cette relation. Maintenant, si c'est au point de vue de votre travail,
Eh bien, là aussi, il y a des discordances, vous ne vous sentez plus bien dans votre travail et on vous demande, on vous invite, voilà, à réfléchir à ce que vous désirez, à ce que vous ne désirez pas, à ce que vous ne désirez plus. Il serait bien aussi hein, de ne pas vous appesantir sur le passé, n'est-ce pas ? Parce que le passé est le passé. Vraiment, vous ne savez plus revenir sur le passé, vous l'avez vécu. Donc, laissez-le derrière vous et intéressez-vous plutôt sur ce qui va arriver et servez-vous de ce qui s'est passé pour mieux gérer votre mental et vos émotions. On apprend toujours, n'est-ce pas ? Si maintenant vous avez fait une erreur, eh bien on apprend de ces erreurs, on apprend de ces expériences, et dites-vous que c'était une... Voilà, si cette personne est venue sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous aviez à apprendre quelque chose. Donc vous avez appris, et maintenant, ben, vous n'avez plus rien à apprendre avec cette personne, donc... Voilà, on vous demande de bien réfléchir et peut-être de prendre une grande décision. Mais vous seul savez, et vous avez les cartes en main, et vous seul est maître de votre bateau, n'est-ce pas ? Encore une fois, les cartes, elles sont là pour vous orienter, mais c'est vous qui décidez encore, hein ? Ce ne sont pas les cartes, hein ? Les cartes n'ont pas la science infuse, n'est-ce pas ? Eh bien voilà pour la séparation et je termine avec Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Eh bien voilà. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.